sailing, I am sailing home again, across the sea, I am sailing stormy waters to be near you, to be free. Moi qu'on est un côté aux Antilles, c'est un côté si ou aller ou arrêter. Moi qu'on est un côté aux Antilles, c'est un côté si ou aller ou arrêter. La nuit de l'eau, la nuit belle fleur, la nuit belle fouille, si ou aller ou arrêter. Alors là, on va remballer, enfin, on est en train de remballer le chinois. Belle forme, si vous allez arrêter, si vous allez arrêter, si vous allez arrêter. Parce qu'on est arrivé. Donc on était au Sainte, maintenant. Enfin, les Saintes, c'est de la Guadeloupe, mais là, on est arrivé dans la Guadeloupe. C'est super. Alors, on a emballé parce que... Enfin, à la caméra, on dirait pas qu'on est proche, mais... On est arrivé. Enfin, presque. Voilà. On a remballé le génois. La GV, on va pas la remballer maintenant. Parce que... On attend d'arriver un petit peu plus proche. Pendant cette nave, il n'y avait pas énormément de vent. Mais à un moment, il y avait un petit peu de vent, donc c'était bien. La houle, on l'a eu de côté, mais il n'y avait pas de houle, donc c'était très confortable. En dessous du gros nuage, on voit un siphon. En fait, c'est comme une... C'est comme une mini tornade quoi. C'est une mini tornade. Et si elle touche le sol quoi, bah on se fait aspirer. Fredo il m'a dit ça. Du coup ça me fait peur. Je sais pas si vous le voyez, mais c'est un gros nuage. Il y a un grand trait et un autre petit. Nous sommes en Guadeloupe, à Gosier. On va aller sur la plage pour profiter. La petite île, c'est l'île du Gosier. Et nous, on est au mouillage du Gosier. C'est super, super beau. Nous sommes arrivés à Pointe-à-Pitre, dans le port de Pointe-à-Pitre. Marina du Bas du Fort. Marina du Bas du Fort. Alors,
Avant d'aller sur notre place, on va mettre du gasoil en prévision. Parce qu'on n'a pas fait beaucoup de moteurs, mais on en met quand même pour remplir, pour faire le plein. On va acheter des boots. Ouais, on va acheter des boots pour la trinquette parce qu'elle a eu un petit souci. Voilà. Du coup, on a fait un nœud. Donc, on va aller dans un chip ou je sais pas. Voilà. Donc, on va vous montrer comment on installe les amarres. Donc, si on sait pas notre place, comment elle sera. Alors, on met deux au milieu. Donc, c'est-à-dire, on passe. Donc, on en fait une ici. Qu'après, on détache et qu'on. Qu'est-ce que t'as fait ? C'est pas grave. Bon, on va détacher et qu'on va lancer. Et une autre pareil de l'autre côté. Une à l'avant. Et si c'est l'autre côté, ben on la change vite fait de place. Donc si c'est pas là, on la met là. Et une pareille à l'arrière. On l'a mis sur tribord. Et s'il faut qu'on la change, ben on va la changer de place. Elle est ici. On va faire l'essence, le gasoil, ici, sur un petit ponton. Et on dit à toutes. Je sauterai par la main. Un tour complet, et là tu fais le nœud. Okay. Bon, on les a attachés vite fait, après on va. Bon, c'est juste pour mettre du gasoil, donc ça va. On a fait ça super vite. Ah, c'est super. Super amarrage. Parfait. Les pare-battages sont parfaits. Bon, vas-y. C'est bon, il faut y aller. On comprend. Gasoil. Allez, on y va. Bon, ils nous disent de le faire tout seul et après on va aller payer à la caisse. Alors, on n'a jamais fait ça. C'est combien de litres le bateau? Le gasoil, Fredo? Hein? 550. Donc sur Odin, on a 550 litres de gasoil en tout dans les réservoirs. On n'a pas de chance, il pleut pour notre manœuvre. Bon, on a fini de s'amarrer. C'était pas si facile que ça. Parce que le monsieur il nous demandait de nous mettre à quai. Sauf que il n'expliquait pas bien en fait. Et il est venu très tard, selon moi. Hein. Et bon, du coup l'amarrage c'est avec une bouée. Avec nos amarres. Et deux amarres derrière. On est à côté de ma visa, donc c'est super. Le raccordement de celui-là, est-ce que tu le vois, le lisse? Le lisse? Le lisse et le trier. Alors lui, c'est pas là. Alors le lisse, j'essaie de mettre la main. Ouais, là j'y accède au lisse. Qui est pris sur.
Nous sommes à la marina du bas du fort. Moi et maman, on va aller faire du shopping. Entre filles. Entre filles. C'est parti. Alors, et Lola, t'es belle. Mon ami de longue date. Bonjour Mona. Ah, on s'est perdu bon, de vue. C'est Jean-Michel. Commandé, on va la voir. Alors, donc Mona, de longue date, c'est-à-dire. Ah ben, on a fait nos études ensemble. Ah, carrément. Faculté de pharmacie. Donc, tu es pharmacienne aussi. Alors. D'accord. Toi, tu es une bonne pharmacienne. Regarde, c'est pas vraiment. Ouais, il faut lui dire, ça lui fait du bien de se remettre en cause. Une des meilleures tables de la Guadeloupe, juste là. Ah ouais. Salut. Ici. Salut. Donc c'est quoi le problème avec les voiliers alors? Ah non, on adore. Bon voilà, nos amis de la Guadeloupe. Et on va leur donner la piqûre, hein. Peut-être qu'ils vont acheter un voilier. Et... C'est pas une piqûre qu'il faut. Et qu'ils vont partir, hein. Sous perfusion pendant longtemps. N'est-ce pas, chérie? Ben oui, mais c'est dur. Hein. En fait, tout le monde n'est pas marin. Hein. Mais c'est bon d'avoir un ami marin. Ouais. Un beau bateau comme ça. Ça. Donc ça fait une demi-heure qu'on a quitté la marina bas du fort en direction de Marie-Galante. Pas mal de vent, 27, 28 nœuds de vent. Et là, juste devant nous, il y a Zéphyr. Mais nous, on allait à Quai, il y a un petit bar de plage qui est assez sympa, qui s'appelle chez Henri, si ça vous dit de nous rejoindre pour prendre un petit verre. Ah, c'est une bonne idée, surtout que les enfants ont envie d'aller à terre, là. Ah, vous allez voir, c'est assez sympa, ouais. Bon, ben, il faut que je gonfle mon annexe et tout le bordel, mais on va organiser ça. Ben, je passe, si tu veux, je passe te prendre. Hein. Ouais, ça serait peut-être pas mal. Je te dis dans 10 minutes. Ouais, ok, ça roule. Allez, à tout à l'heure. Si tu veux, je passe. Hein. Je suis plus prêt. Bah, sans problème. Si tu peux patienter 10 minutes, un quart d'heure, ça serait super. Ok, je vais passer. C'est bon, parti, Denis. Ok, et t'as assez de place pour prendre tout le monde? Parce que vous êtes combien, ma visa, maintenant? Vous êtes 6? Ouais, on est 6, mais ça va, ça. Oui, c'est une course annexe. On monte à 12. Ça roule. Tiens. Hop. On ramène toute la famille Minier sur la plage. On va bientôt Minier. Thank you.
février, on a quitté notre mouillage de Saint-Louis pour aller à Anse-Canot. Donc nous allons faire un petit barbecue et revenir sur notre mouillage. Alors je vais faire deux secondes. Explique-nous alors l'histoire des habitations spéciales là, qu'on retrouve en Guadeloupe un peu partout. Alors je vais vous faire l'histoire de toutes les Caraïbes, de haut en bas, à droite à gauche, de partout, début à la fin. Ce qui s'est passé, c'est que les Français et les Anglais ils sont venus et ils ont fait de la canne à sucre en 1870. L'esclavage est terminé. Ça et voilà, fini. Soit après, de là on regarde, sinon on fait ça. Maroponche, on monte à la distillerie Biel. Puis on redescend. Et on redescend, ouais. Et le père là-bas, elle est là. On l'a passé. Distillerie du père là-bas. Il faut qu'on monte à la distillerie Biel là. D'accord. Bon, bah let's go. Hein. On fait quoi? On fait ça, on revient, tac, tac, et après on fait ça? Ouais. Comme ça, on fera l'invitation au Murat aussi. Ok. Donc l'habitation Murat et l'habitation Roussel-Trianon sont deux habitations sucrières. Donc c'est une habitation qui fut en 1839
avec ses 300 esclaves, la plus grosse plantation de canne à sucre de la Guadeloupe. Donc ça, c'est l'exposition dans la maison du maître. Ça parle de la colonisation, l'arrivée des premiers esclaves, l'industrie sucrière, ensuite l'abolition de l'esclavage. Et là, juste à côté de la maison du maître, il y a les anciennes cuisines. Bon, aujourd'hui, ça abrite les services administratifs du musée. Dans la tradition créole, la cuisine ne se trouve pas dans la maison d'habitation, mais à quelques mètres de la maison maître. Donc, ça, c'est la maison maître. Et là, ici, donc, c'est le jardin des plantes médicinales. C'était un ancien parc à bœuf, transformé en jardin de plantes médicinales en 1979. Et là, on voit le moulin à vent, qui a été construit en 1814 en pierre de taille. Là, ça s'appelle la sucrerie. C'est un bâtiment qui contenait deux équipages de 9 chaudières et une distillerie. Et ce petit bâtiment ici, rose et bleu, c'est l'ancien hôpital des esclaves. Il a été implanté à l'écart, en fait, du domaine pour éviter la contamination des cases. Bye.
C'est moins l'amour, c'est moins tout tout sucré. Quinzaine tombée, ben tu l'as pas payé moi. Par pitié, par l'humanité, ouvert la porte, pas moi. Et pas moi, un petit bon, des petits bons, soit dit bon doudou. Pas moi, un petit bon, des petits bons, soit dit bon amour. Pas moi, un petit bon, des petits bons, soit dit bon. Pas moi, tout ça voulait. Non, 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 là c'est pas bon. Ah là là, là, ah là là là, c'est chaud là. Eh oui, c'est chaud, hein. Quand on vient à la plage, souvent pour arriver ou repartir en annexe, ça peut être très très chaud. Voilà, on est à 11 canots, on profite du coucher du soleil. Finalement, c'est ma Juju qui conduit l'annexe parce que comme j'ai eu un traumatisme assez récent, donc il me faut du temps pour surmonter ma peur. Donc aujourd'hui, Julia nous prépare des rouleaux chinois à notre façon. Voilà. En fait, c'est des sushis rouleaux de printemps. Oh.
Bon, en fait, ils sont un peu cassés. Bon, on est au Loulou's Restaurant à Marie-Galante. Et voilà ce qui se passe en l'espace de 30 secondes. La grosse, grosse pluie. Les enfants sont sur le bateau. Et je les ai appelés pour être certaine qu'ils puissent gérer au cas où le bateau se décroche. Mais normalement, on a mis 30 mètres de chaîne. Ça devrait aller, mais ça souffle très, très, très fort là. Là, c'est une mini tempête. Donc, du coup, on va manger ici, hein. On ne peut pas rentrer pour l'instant.